L'exposition Les gens du rail, qui est actuellement présentée aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix, manifeste une fois de plus l'intérêt de cette institution pour les chemins de fer et les cheminots. Je ne reviens pas sur les très nombreux fonds ferroviaires qui sont conservés ici et dont chacun peut avoir un aperçu détaillé en consultant les inventaires disponibles en ligne. Plusieurs journées d'études ou colloques dont le thème traitait des chemins de fer et de leur histoire se sont déroulées dans ces locaux. Je pense notamment au colloque du comité d'établissement des cheminots de la région SNCF Nord-Pas-de-Calais, qui en novembre 1995 s'était intéressé à la mémoire des cheminots et des chemins de fer du Nord, de 1938 à 1948, et qui avait mêlé études historiques et témoignages. Vous pouvez, voilà, il a été ensuite publié aux éditions Tirésias. C'est ce même principe de mêler études historiques et témoignages que j'ai choisi d'adopter aujourd'hui pour vous parler de la résistance des cheminots face au régime de Vichy et à l'occupation allemande. Avant de commencer, pourrais-tu nous faire un point historiographique sur la question des cheminots dans la résistance et de la résistance des cheminots ? Oui, tout à fait. Donc, je vais d'abord citer l'ouvrage de Paul Durand intitulé « La SNCF pendant la guerre, sa résistance à l'occupant » qui est publié en 1968. Et celui de Maurice Choury, qui s'appelle quant à lui « Les cheminots dans la bataille du rail » et qui paraît en 1970. Ces deux ouvrages offrent des visions parfois antagonistes de la résistance cheminote qui se perçoivent dès leurs titres respectifs d'ailleurs. Paul Durand met en avant l'entreprise SNCF dans son ensemble et l'encadrement, alors que Maurice Choury a travaillé à partir de témoignages de cheminots qui occupaient des fonctions moins élevées à la SNCF. Depuis le début des années 2000, plusieurs initiatives ont vu le jour. L'organisation par Rail et Histoire, l'Association pour l'Histoire des Chemins de Fer, d'un colloque international à l'Assemblée nationale. Ce colloque s'était tenu les 21 et 22 juin 2000 et il a ensuite fait l'objet d'une publication aux presses universitaires de France. Il y a aussi la réalisation par la Fondation de la Résistance d'une exposition composée d'une cinquantaine de panneaux qui a été présentée pour la première fois en 2005 au musée Jean Moulin à Paris, et elle a circulé ensuite dans toute la France. Cette exposition a ensuite donné lieu à un ouvrage que j'ai coordonné et qui a paru en 2011 aux éditions de La Vie du Rail. À la fin de cette même année 2011, la SNCF a confié à Rail et Histoire le soin de réaliser une collecte d'archives orales auprès des témoignages qui avaient vécu et travaillé pendant la Deuxième Guerre mondiale ou de leur famille. Avant d'en revenir au cœur de ton intervention, peux-tu nous faire un rappel rapide du contexte général de la SNCF pendant la guerre et l'occupation, s'il te plaît ? Alors, depuis la fin de la guerre jusqu'à aujourd'hui, l'image du rôle et de l'action des cheminots et de la SNCF au cours de cette époque de la Deuxième Guerre mondiale a évolué. En résumant à très, très grossir, on peut dire qu'on est passé de l'image construite au lendemain de la libération fixée par le film « La bataille du rail », dont vous pouvez voir la bande-annonce qui défile derrière moi. Donc on est passé de l'image du cheminot saboteur et des cheminots unanimement résistants à celle d'une SNCF accusée de complicité de crimes contre l'humanité pour avoir participé à la déportation des Juifs. Cette participation fut au cœur du discours du président de l'entreprise, Guillaume Pépi, le 25 janvier 2011, qui a été prononcé sur le site de l'ancienne gare de Grande Ceinture de Bobigny, d'où sont partis 21 convois vers Auschwitz entre 1943 et 1944. Guillaume Pépi avait rappelé à cette occasion que la SNCF était, je le cite, « réquisitionnée, soumise à l'effort de guerre nazie » et avait ajouté ensuite que, contrainte certes, notre entreprise a acheminé ses trains jusqu'à la frontière, elle l'a fait. Il faut préciser que la SNCF, alors toute jeune entreprise en 1940, puisqu'elle est née en 1938,
remplaçant les compagnies privées qui étaient alors en grande difficulté financière. Le capital de la SNCF est détenu à 51% par l'État et à 49% par les anciennes compagnies. Donc la SNCF voit son réseau ferré mis dès la signature de l'armistice le 22 juin 1940 au service de l'économie de guerre nazie. À partir de là, l'entreprise et ses dirigeants sont inclus dans la collaboration d'État. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais ce qui vaut pour les instances dirigeantes de la SNCF n'est pas transposable au niveau de l'ensemble des cheminots qui, eux, ont pris une part conséquente dans la résistance à Vichy et à l'occupant allemand. Donc j'évoquais il y a quelques instants l'image fixée par le film « La bataille du rail ». Cette image créée juste après-guerre a été nuancée et précisée par les études historiques depuis une quinzaine d'années. Bien sûr, des cheminots ont saboté les voies et le matériel, mais leur participation et leurs engagements dans la résistance est beaucoup plus large et recouvre des modalités d'action bien plus variées. De par la multiplicité des métiers, des positions sociales présentes au sein de l'entreprise ferroviaire, on retrouve dans le monde cheminot quasiment l'intégralité des modes d'engagement, des actes qui ont existé au sein de la résistance à l'occupant allemand et au régime de Vichy. Peux-tu nous rappeler ce qu'était la SNCF pendant la guerre et l'occupation ? Alors, à la déclaration de guerre le 3 septembre 1939, la mobilisation générale a été décrétée, elle, le 2. La SNCF est, je l'ai rappelé, une toute jeune entreprise puisqu'elle n'existe que depuis le 1er janvier 1938. Donc elle a remplacé les deux réseaux d'État et les compagnies privées qui géraient jusqu'alors le réseau ferroviaire français. C'est à cette époque la plus grosse entreprise de France avec environ 500 000 cheminots, dont 80% sont syndiqués. Dès la mobilisation, les chemins de fer sont réquisitionnés par l'autorité militaire et transportent vers la frontière du pays les hommes et le matériel. De leur côté, des cheminots sont eux aussi mobilisés, mais une proportion importante est affectée sur place, assure le trafic militaire, mais aussi civil, de marchandises qui se poursuit bien sûr, œuvre à la fabrication du matériel militaire, en particulier les munitions, dans des ateliers de la SNCF qui ont été reconvertis à cet usage. Les trains et les cheminots sont également largement mis à contribution au moment de l'attaque allemande en mai 1940, avec les déplacements massifs de population, l'exode vers le sud et l'ouest du pays. Ces départs affectent aussi bien la population civile que les militaires. À l'image de ce cheminot mobilisé en 1939 à la section de commandement de la 2e compagnie du 52e bataillon de tirailleurs motorisés, qui a stationné pendant toute la drôle de guerre dans la Meuse, jusqu'à l'attaque allemande du 10 mai 1940. Donc le premier extrait que vous allez écouter retrace le repli face à l'avancée allemande jusqu'à l'arrivée dans un village de Dordogne. Le cheminot né en 1915 était expéditionnaire au dépôt de Fives juste avant la guerre. Donc ça n'a pas duré longtemps. Les Allemands sont arrivés, puis ils étaient supérieurs. On a eu quelques échauffourées avec les Allemands, mais on s'est rendu compte qu'il y a eu des soldats de chez nous qui ont été tués, et on a reparti, on a battu en retraite. Donc on battait en retraite, et à un certain endroit, il y avait un commandant d'une autre armée, je ne sais plus, qui était là et qui tirait sur tous ceux qui battaient en retraite. On transportait un blessé sur un brancard, donc il nous a laissé passer. Et puis on a commencé la retraite, là, jusque ça a duré 3 semaines à peu près. On a fait à peu près 400 km à pied. On était tous en colonne où on marchait la nuit, et le jour on s'arrêtait et on mettait des mitrailleuses en batterie dans le cas où. Et le commandant du bataillon a été tué par
un tireur par les infiltrations qui était dans le clocher du, à Vatan. Et le, notre commandant a été tué là. Moi, avec mes hommes, j'ai resté... On a eu beaucoup de mal à y arriver. Il y en a qui traînaient, il y en a qui ont abandonné en route. La compagnie et tout ça comprenait à peu près 200 hommes. On est arrivé peut-être à 70-80. Donc après, on a continué jusqu'à Saint-Pardoux-la-Rivière. La signature de la convention d'armistice à Rotonde le 22 juin 1940 entre les représentants français et allemands consacre tout d'abord la division du territoire français métropolitain en zones de statut différents. La zone non occupée au sud du pays et la zone occupée, qui est elle-même subdivisée avec notamment les départements du Nord et du Pas-de-Calais qui sont rattachés à l'autorité militaire de Bruxelles, et l'Alsace-Moselle qui est annexée au Reich. Cette convention d'armistice a également des répercussions directes sur les chemins de fer et la SNCF. Il y a dans la convention d'armistice deux articles qui précisent les modalités du contrôle allemand sur la SNCF et qui stipulent dans l'article 13, je le cite, « Le gouvernement français s'engage à veiller à ce que, dans les territoires à occuper par les troupes allemandes, toutes les installations, outils et les stocks militaires soient remis intacts aux troupes allemandes. Il en est de même pour les moyens et voies de communication de toute nature, notamment en ce qui concerne les voies ferrées. » Je cite toujours, « Le gouvernement français veillera à ce que sur le territoire occupé soit disponible le matériel spécialisé nécessaire et la quantité de matériel roulant de chemins de fer et autres moyens de communication correspondant aux conditions normales du temps de paix. » Débute alors le pillage des ressources économiques françaises envoyées en Allemagne par chemin de fer. Il en va de même pour le transport des troupes et du matériel militaire. Les trains et les cheminots français sont également utilisés pour le transport jusqu'aux frontières du Reich des déportés de persécution et de répression. Pour contrôler l'exécution de ces transports et surveiller leurs collègues français, des milliers de cheminots arrivent en France dès 1940. Du côté français, à partir de 1942, entre 10 000 et 12 000 cheminots français sont réquisitionnés pour aller travailler à la Reichsbahn, ce sont les chemins de fer allemands, et à partir de 1943, au titre du service du travail obligatoire, le STO, avant que la SNCF en soit exemptée à compter de la fin de 1943. La SNCF est un des instruments essentiels de la collaboration d'État franco-allemande. Sa soumission à chacune des nouvelles exigences de l'occupant pendant 4 ans résulte avant tout de choix décidés entre le gouvernement de Vichy et les autorités d'occupation. Ces contraintes qui pèsent sur l'entreprise font que l'adhésion, la prise de distance et, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, le refus, doivent se mesurer à l'échelle des individus en fonction de leur degré de responsabilité professionnelle et d'exposition au risque de répression. Peux-tu maintenant nous parler du rôle et de l'action des cheminots dans la résistance ? Alors, je vais esquisser quelques pistes de réflexion et en insistant sur les formes prises par la résistance des cheminots, en particulier celles qui sont liées à l'exercice de leur métier, afin d'en montrer la diversité ainsi que les difficultés de quantifier cette résistance. En effet, on pose souvent la question du nombre des résistants. Il est difficile de donner une réponse car elle dépend de facteurs multiples. Les archives permettent certes de dénombrer les demandes de reconnaissance effectuées après la libération, en particulier la carte de combattant volontaire de la résistance, qu'on appelle CVR. De leur côté, les mouvements et les réseaux qui se sont créés dans la clandestinité ont constitué après-guerre des dossiers sur leurs membres afin de leur obtenir un droit à pension ou à décoration.
Il y a des études qui ont été menées à l'échelle départementale à partir de ces dossiers de résistants, et les cheminots figurent parmi les corporations les plus représentées. À titre d'exemple, ils constituent 6,5% des résistants recensés dans le Pas-de-Calais et 17% en Ille-et-Vilaine. Mais ces chiffres ne permettent pas de mesurer les actes individuels ou franges de la résistance telle qu'elle a été définie par les historiens ou dont leurs auteurs n'ont pas parlé après la Libération. Parmi les anciens cheminots que nous avons rencontrés dans le cadre de l'appel à témoignages, plusieurs qui ont pourtant été actifs ne se définissent pas comme résistants, ce titre étant pour eux réservé à ceux qui ont pris les armes ou le maquis. De même que les formes et les modalités d'action ont été diverses, les appartenances à des groupes, mouvements ou encore réseaux ont été très variées. Il n'y a pas eu une résistance cheminote ou ferroviaire, puisque l'association Résistance Fer qui est créée, qui porte ce nom, est créée après la Libération, mais des affiliations qui sont le résultat d'engagements noués pendant la guerre, en particulier au sein de la CGT ou du Parti communiste, ou sont le fruit de circonstances locales. On sait par exemple que les réseaux de renseignement ont été particulièrement nombreux dans cette région du Nord-Pas-de-Calais, ou de relations établies dans le cadre des activités résistantes. Je reviens sur les formes prises par la résistance des cheminots qui seront illustrées par quelques extraits de témoignages. Les actes réalisés relèvent souvent des possibilités offertes par le métier, que ce soit l'aide aux prisonniers de guerre évadés, l'aide au passage de la ligne de démarcation et des frontières entre les zones ou la diffusion de la presse clandestine. Les cartes de circulation dont bénéficient les cheminots, leurs brassards, brassards SNCF, qui permettent de circuler pendant le couvre-feu, les relations professionnelles facilitent l'aide au passage de la ligne de démarcation. Par exemple, entrer à la SNCF en 1942 à l'âge de 15 ans et demi comme élève bureau, le témoin que vous allez entendre effectue de nombreux déplacements dans diverses gares d'Eure-et-Loir jusqu'à 1944. Oui, ben un jour à Bonneval, dans un wagon, je vois un type sortir, il était un peu mal habillé, tout ça. Alors il s'approche de moi, puis il me demande, il dit « je suis un prisonnier évadé ». Il fallait faire attention aussi, parce que les Allemands faisaient des infiltrations dans les... Je voulais aller en zone non occupée, quoi. Alors, je lui ai dit de rester là. Et puis, j'ai contacté un facteur enregistrant qui travaillait avec moi, qui s'appelait Monsieur Fleury. Que je savais que lui, il était en contact avec le réseau de résistance de Bonneval. Alors, je lui ai dit, il y a un prisonnier là, il a contacté le curé de Bonneval, vous voyez, ça. Et ils sont revenus. Alors, on l'a habillé en cheminot. Le prisonnier, on l'a habillé en cheminot et on l'a mis dans un autre train avec des gars, avec les cheminots. On lui a pris les petits beaux mouvements à faire pour faire semblant de faire la manœuvre et il est parti sur la Mambrole parce que la Mambrole c'était un lieu de passage qui était connu de chez nous pour passer. À propos de l'aide au passage des différentes lignes, j'aimerais évoquer le rôle de la famille Saint-Gillain de Tourcoing. Donc, Louis Saint-Gillain était préposé en douane à la gare de triage de Tourcoing. Et avec son épouse et leurs trois filles, ils vont cacher et faire quitter la région à plus de 50 prisonniers de guerre évadés d'Allemagne entre le 25 mai 1942 et le 2 décembre 1943. Ce nombre de plus de 50 prisonniers est assez exceptionnel. De même, le fait que ces actions n'ont pas été accomplies dans le cadre d'un mouvement ou d'un réseau de résistance organisé, mais ont pu avoir lieu grâce à des complicités amicales et de voisins qui ont fourni des vêtements, de la nourriture pour ces évadés. Louis Saint-Gillain et sa famille ont également mis en place une filière pour permettre le passage clandestin de la ligne de démarcation grâce à l'abbé Jollet, dont le presbytère était situé tout près de la ligne, sur la commune de Châtres-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher.
Si vous voulez plus de détails sur cette famille, je vous invite à lire le livre de Marie-Pierre A.M., la petite fille de Louis et Madeleine Saint-Gillain, qui a fait un travail tout à fait remarquable pour retracer cette histoire. Donc les cheminots, en particulier ceux de l'exploitation, sont également aux premières loges pour aider les réseaux de renseignement et pour fournir des informations sur la circulation, le trafic ferroviaire, notamment les trains de matériel ou de militaires allemands. Ils établissent aussi des plans des infrastructures susceptibles d'être bombardées. Une fois ces renseignements recueillis, se pose alors la question de la transmission des informations à Londres. On connaît tous les radios qui cryptaient les renseignements à destination de Londres, mais les Alliés utilisaient aussi des moyens beaucoup plus originaux, les pigeons voyageurs. Un cheminot normand trouve un de ces volatiles, transmet des informations sur un dépôt d'essence allemand qui sera bombardé quelques jours plus tard. Alors le pigeon voyageur, c'est en 1943. Mon père, un jour, il a un de ses amis... J'ai un pigeon, j'ai un parachute qui est dans mon champ, à tel endroit. Mon père, tout de suite, il dit, vous l'avez ramassé? Ah ben non, je ne l'ai pas ramassé, justement. Qu'est-ce que vous pensez? Vous ne voulez pas le ramasser? Oh ben, mon père dit, je vais voir ça. Je ne sais pas. Évidemment, mon père était le chercher, ce pigeon. Et il ouvre tout. Il y avait donc le pigeon qui était dans cette boîte carrée. Pour d'autres, c'était dans des boîtes, dans des genres de tubes. Là c'était une boîte presque carrée. Et avec ça, il y avait des papiers, et il y avait même des petits sachets de maïs pour donner à manger aux pigeons, tout ce qu'il fallait. Et il donnait tout le procédé. Comment fallait faire? Il fallait d'abord garder le pigeon pendant 3 jours chez soi. Premier danger. Ne le dire à personne. Heureusement. Et de se renseigner, de savoir tout ce qu'il pouvait, et s'il y avait beaucoup d'Allemands, qu'est-ce qu'ils faisaient, et tout ce qu'ils pouvaient voir qui pouvait intéresser les Anglais, puisqu'ils venaient d'Angleterre. Alors, ils ont... mon père, lui, par le chemin de fer, savait donc pas mal de choses, et en plus, à part l'histoire de l'expédition des wagons et tout, il a pu dire pas mal de choses aussi, il savait que il y avait un aérodrome à Flers, déjà à l'époque, qui était exploité par les Allemands, mais bon, il n'y avait pas beaucoup d'avions. Enfin, bon, ils avaient quand même des avions là, c'était quand même un aérodrome. Et il leur a signalé qu'il y avait un baraquement, qui était un tel endroit dans l'aérodrome, et que c'était un faux baraquement. C'était un réservoir de 15 000 litres d'essence, je ne sais pas combien, une grosse réserve d'essence, qui était là-dessous, quoi. Alors mon père l'a signalé, a rempli tous ces petits papiers qui étaient avec des questions qui étaient très précises, des papiers gros, épais comme du papier de soie, avec le crayon. C'est tout. Et il y avait aussi les petites alliances, les petites bagues qu'il fallait mettre autour des pattes du pigeon, et sur ces attaches-là, il y avait un petit tube où mettre les papiers, en effet, qui donnaient les réponses aux questions, quand les gens pouvaient, ça tombait sur n'importe qui. Et en effet, le matin, il est parti avec son pigeon, avec tous les renseignements donnés, il est parti, parce qu'il fallait aussi, en général, le lâcher au mieux, quand c'était possible, parce que c'était pas toujours possible, c'était de le faire repartir d'où c'est qu'il est arrivé. Ce qu'on a su, c'est qu'il y a eu d'autres pigeons, il y a eu quelqu'un d'autre à Flers qui a fait les mêmes messages, parce qu'on a su que 2 jours après ces pigeons-là, ce bâtiment-là a été pilonné par l'aviation anglaise, et il paraît que ça fait un beau feu de joie dans ce réservoir d'essence. Donc mon père a été assez satisfait, sans savoir que... Mais forcément, il a dû en faire partie de ceux qui ont pu répondre, parce qu'il n'avait pas des masses. Hein. Parce que du coup, du pigeon voyageur... Et il était prévu par les Allemands que celui qui ramassait un pigeon voyageur était fusillé. Et à l'époque, on donnait les exemples de 2 personnes du côté de Flers qui avaient été passées par les armes comme ça, parce qu'ils avaient récupéré des pigeons. Donc, celui qui en trouvait, prévenir les Allemands ou le rapportait. Et puis alors, il y avait ceux qui avaient l'esprit encore beaucoup plus simple et plus pratique, c'est qu'ils prenaient le pigeon pour le manger. C'est un peu idiot, mais c'est comme ça.
La question du sabotage est délicate. Déboulonner un rail ou poser des explosifs sur la voie met en danger la vie des mécaniciens et des chauffeurs, à moins de réussir à les prévenir. Les cheminots sont cependant les mieux placés pour savoir à quel endroit, sur la voie, un sabotage sera le plus efficace. Vous pourrez voir deux photographies d'un sabotage dans le tunnel de Tarare, réalisé par un cheminot de la région lyonnaise, dont la fille nous a livré son témoignage. À Tarare, il a été contacté par, je ne sais pas si c'était un lieutenant ou un capitaine qui est venu le voir, mais qui devait déjà connaître ses opinions sur l'affaire, parce qu'il ne serait peut-être pas venu le voir spontanément comme ça. Alors, il venait à la maison le soir, quand il faisait bien nuit, il venait chercher papa, et donc, c'est arrivé deux ou trois fois par là. Mmh. Et il prenait des locomotives dans le dépôt, avec des wagons attelés. À la sortie de Tarare, il y a un grand tunnel qui monte sur la ligne de Roanne. Et il montait le train. Mon père conduisait le train jusqu'en haut. Et puis il le lançait à grande vitesse et il sautait en marche. Et entre-temps, ils avaient déboulonné les rails dans le tunnel. Ce qui fait que le train déraillait. D'accord. Donc ils l'ont fait plusieurs fois. Et après, c'était mon père qui était chargé d'aller remettre en place, d'aller faire le déraillement, bien entendu, avec les ouvriers de son dépôt. Oui, de faire la réparation. La réparation, et ça durait très longtemps en général, parce qu'ils prenaient vraiment leur temps, quoi. Dans les dépôts et les ateliers, des actions spectaculaires risqueraient d'attirer des représailles et une répression féroce. En revanche, des conseils « techniques », entre guillemets, sur les façons d'opérer sont fréquemment donnés aux saboteurs. Au moins jusqu'au département, c'est la pratique du sabotage insaisissable qui est la plus courante. Voici un extrait de témoignage qui résume assez bien la situation et les différentes actions que pouvaient commettre les cheminots pour ralentir ou entraver les transports allemands. Le témoin né en 1919, il est facteur mixte intérimaire dans le département de la Somme pendant les années d'occupation. Les wagons, il y a pas, c'était pas comme aujourd'hui, les roulements n'étaient pas comme aujourd'hui. En roulement isotherme, qu'on ne peut pas y toucher, c'est un roulement à vie, hein, comme une voiture. Bon, à l'époque, il y avait les visiteurs, et on mettait de l'huile avec la burette, au lieu de mettre de l'huile, on pouvait mettre du sable ou des graviers. Sur le moment, ça ne donnait rien, mais il est probable qu'au bout des centaines de kilomètres, ça avait donné quelque chose. Ça, c'était très facile. Très facile. La nuit, c'était facile. Hein? Mais tous les wagons n'étaient pas en route. Certains étaient comme ça, parce que tout ça s'est modernisé, évidemment. Hein? Puis, ça a été surtout aussi dans le rôle des agents qu'on appelle les visiteurs. Ils étaient très bien placés, c'était leur boulot. Non pas de mettre du sable, mais de mettre de l'huile. Est-ce qu'il y a eu par ici des sabotages de la voie ou... Oui. C'était quel type? C'était explosif ou on dit tire-fonnet? Oui, déboulonné. Déboulonné, mais... oui. Et ça, c'était des cheminots ou pas? Oui. Des particuliers, mais sous la direction de cheminots. Qui pouvaient aussi fournir le matériel? Bah oui, parce que je connaissais même quelqu'un qui avait fabriqué une clé à tire-fond, c'est grand comme ça, hein. Il avait fait une clé à tire-fond pliante. C'est un forgeron. Pour pouvoir la déplacer. Non, mais c'est vrai, ça, oui. Il avait fait une clé à tire-fond pliante, comme ça on pouvait mieux se déplacer avec. Hein. Donc ça s'est pratiqué par ici. Là. Moi, dans le coin où j'étais, ça s'est pratiqué là, sur la ligne d'Amiens-Beauvais, dans la région de Pouzel, et la ligne de Rouen qui était à quelques centaines de mètres de l'autre côté, là, la bifurcation. De par leur métier et leur volonté de faire quelque chose, des cheminots aident également à soustraire des jeunes hommes au départ en Allemagne pour le STO, notamment en fabriquant des faux certificats d'emploi à la SNCF. En effet, si de cheminots partent travailler en Allemagne au titre du STO, dans certains endroits, la SNCF apparaît comme un refuge pour éviter ce départ. C'est ce qu'explique le témoin, né en 1926 et qui est entré à la SNCF en 1943 au dépôt de Nantes-Blotereau.
quand le chef de feuille terminait sa journée, eh ben moi, il me restait encore du temps à faire pour aller jusqu'à mes 23 heures. J'allais garder le coffre, parce que le bureau d'ordre avait été cambriolé. Ça devait être des gars de la résistance, ils avaient volé une machine à écrire. Après, les machines à écrire, elles étaient enchaînées avec un coré. Vous savez, un coré, c'est pas qui avait été fabriqué sur place par les ouvriers de l'atelier. Alors, le soir, il y avait deux dactylos au dépôt. Le soir, il fallait qu'elles enchaînent leurs machines. Bon. Mais on pouvait s'en servir quand même. Alors moi, je connaissais le placard aux fournitures. Alors j'ouvrais le placard aux fournitures, puis je piquais des certificats de travail. Et puis, il y avait le grand PV, là, qui était surveillant de dépôt. Il faisait de la résistance, il connaissait les machins. Alors il me donnait des listes de noms, avec mais des noms véritables, avec leurs adresses et tout. Et puis je tapais des certificats médicaux, des certificats de travail. Et puis j'avais les cachets, les employés, ils laissaient ça sur leur, un espèce de présentoir. Hop, alors je piquais dépôt de Nantes, machin, SNCF, le chef de dépôt principal, et puis je signais Clouzier. Alors, il fallait faire ça, il signait avec un crayon... violet encre, un crayon encre. Vous voyez, la mine, quand on la mouillait un peu, ça faisait comme de l'encre violette. Comme ça. Alors je signais les trucs, et puis ça passait. Parmi l'ensemble des actes effectués par les cheminots, l'un ne relève peut-être pas directement de la résistance, plutôt de la solidarité. De nombreux employés de la SNCF, qu'ils travaillent en gare, sur les voies ou comme garde-barrière par exemple, ont recueilli les petits mots lancés par les déportés des trains qui les emmenaient vers l'Allemagne et les ont transmis à leur famille. Je voudrais notamment prendre l'exemple de Paul Mouton, qui était sous-chef de gare à Chalon-sur-Marne, aujourd'hui Chalon-en-Champagne, dont l'engagement dans la résistance est attesté à partir de 1941. Il faisait notamment partie du réseau F2, puis du réseau de renseignement Kléber. De nombreux convois de déportation passaient par la gare de Chalon, et Paul Mouton récupérait des petits mots, en particulier celui d'Elisabeth Leport, jeune résistance tourangelle. Il transmet ce petit mot à sa famille, accompagné d'une lettre. Paul Mouton sera arrêté par les Allemands le 2 août 1944 pour l'ensemble de ses activités dans la résistance. Il sera déporté vers Dachau le 19 août et il y meurt le 2 mars 1945. Je vais évoquer aussi les grèves, qui est une forme traditionnelle du combat syndical et qui est également utilisée pendant l'occupation, alors que faire grève est interdit et que les risques de répression encourus sont grands. Je vais prendre deux exemples. La grève des cheminots qui est déclenchée aux ateliers de réparation des locomotives d'Oulin le 13 octobre 1942, à la suite de l'affichage d'une liste d'ouvriers désignés pour partir travailler en Allemagne. De nombreux arrêts de travail sont signalés dans plusieurs autres sites ferroviaires et usines du sud-est de la France à ce même moment. À l'échelle de l'histoire de la résistance, cette première manifestation publique de refus du travail en Allemagne, réunissant des cheminots de sensibilités politiques différentes, donnera naissance au premier tract clandestin commun au mouvement communiste et non communiste en zone sud. Un autre exemple d'arrêt de travail spontané, aux ateliers de la Chapelle, à Paris, la quasi-totalité du personnel cesse le travail quelques minutes à l'occasion du 11 novembre 1943, comme le montre la photographie que vous allez voir, et ce qu'évoque le témoignage de ce cheminot qui est né en 1920. Il était rentré à l'école professionnelle des chemins de fer du Nord en 1940,
1933, pardon. Cette école était située au pont Cardinet, dans le 17e arrondissement de Paris. Il est ensuite calqueur aux ateliers de réparation du matériel roulant pendant l'occupation. L'auto n'est pas très belle, mais c'était... Elle est, et les Allemands ont autorisé ça? Eh ben, on ne leur a pas demandé l'accord. Donc il y a eu un Les Allemands ne sont pas intervenus, je peux vous le dire. Donc, tous il y a peut-être eu une engueulade au chef de service. Ouais. Après, j'en sais rien. Donc il y a eu un dépôt de gerbes sur le monument, au pied du monument aux morts de 14-18. Ah oui. Il y avait tout le monde, il y avait l'atelier central et les gens du bureau, parce que j'en reconnais là-dedans. Vous voyez, ça se passe au 78 rue des Poissonniers. C'est là, à l'entrée du bureau. Un autre exemple de grève et de manifestation, celles qui ont lieu aux ateliers de Vitry-sur-Seine et dans de nombreux dépôts et ateliers de la région parisienne le 14 juillet 1944, et qui sont le préambule à la grève générale des cheminots de la région parisienne à partir du 10 août 1944, avant que soit prise la décision de grève générale interprofessionnelle le 18 août, à la veille du début de l'insurrection parisienne et de la libération de Paris. Cette période de la libération est également un moment très fort auquel participent de nombreux cheminots. Un dernier témoin que vous allez entendre maintenant est entré à la SNCF en 1943 au dépôt de Bobigny. Il entre à la SNCF pour échapper au STO et a été très rapidement contacté par un groupe de résistants qui agissait au dépôt. On occupait le dépôt. Le 10 août 44, il y avait un train de SS dans le triage. Et on avait jeté les feux des machines. Et en un seul coup, on a vu des SS arriver. Et puis, on était cinq. On a été pris. On a été mis dans un mur. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? J'en sais, je ne me rappelle pas. On a entendu des coups de feu. Et je vois encore... Oh, il était haut comme ça, les soldats allemands. C'était une face mongole. Ils sont plongés par terre, puis nous, la porte était ouverte. On a passé par la porte, on a passé à travers la fonderie, le levage, et puis on a... Je cours encore, Et nous, on a vu arriver un lorry avec des bombes dessus, puis des gars qui poussaient ça, et qui sont mis les bombes à chaque pilier de la rotonde. Donc des Allemands. Oui, des Allemands, oui. Et on était grimpés sur des machines, nous, dans la rotonde, on les voyait arriver. Et on ne bougeait pas, on ne pouvait pas bouger, on n'avait rien. Et quand ils ont été partis, il y en a un qui a été coupé, ils avaient relié les bombes au fil de téléphone de la plaque, et il y a quelqu'un qui a été coupé les fils, on faisait rien, qui pensait. Et les bombes avec Bernard Tingry, on avait chacun une bombe sur le dos, on a été déposés dans le champ, en face. On a empilé ça comme ça. Et les Allemands, ils sont partis, évidemment, ils sont pour rester là. Hein. Mais nous, on était contents parce qu'il n'y avait rien qui s'était produit. Ces actions et engagements dans la résistance ont parfois été payés au prix le plus fort, celui de la vie. La répression qui est menée tant par la police française que par les forces d'occupation est féroce. Elle vise tout d'abord, chronologiquement, les communistes, dont le parti était interdit depuis la signature du pacte germano-soviétique, et dont beaucoup sont licenciés de la SNCF. L'établissement à la demande de la direction de l'entreprise de liste de cheminots communistes facilitera les arrestations le temps venu, l'internement, puis parfois la déportation. Le parcours de ce jeune cheminot rennais, Jean Coursier, né en 1921, est particulièrement évocateur. Il est militant aux Jeunesses communistes et à la CGT. Il est ajusteur au dépôt des locomotives de Rennes, arrêté le 4 août 1941 par la police française. Il est ensuite jugé avec d'autres jeunes communistes lors d'un procès qui se tient au Parlement de Bretagne le 12 septembre 1941. Il sera emprisonné à Rennes, puis au Mans et à la centrale de Poissy à partir de novembre 1941.
En février 1944, qui marquait le terme de sa peine, il passe un mois à la prison de Melun. Il est ensuite déporté vers Mauthausen, depuis Compiègne, le 6 avril 1944, et envoyé dans un commando, le commando Gusen 2. Jean Coursier reviendra de déportation. Les cheminots résistants sont arrêtés à titre individuel, mais la corporation est également largement visée par la politique des otages, le plus souvent à titre de représailles. On pense bien sûr au massacre d'Ascq, perpétré après un sabotage commis le 1er avril 1944 sur un train TCO qui transportait des troupes allemandes. Dans la nuit, les Allemands tuent 86 personnes, dont 22 cheminots. Ce tableau rapide de la participation des cheminots à la résistance aux occupants et au régime de Vichy et les différents extraits de témoignages vous ont montré la diversité des situations et des actions. J'aurais pu également parler de la participation à la résistance armée, du passage à la clandestinité, de la montée au maquis, mais tous ces thèmes sont moins spécifiques quand on parle des cheminots. Également ajouter quelques mots et plaider pour l'utilisation dans les études historiques des témoignages oraux. Il faut utiliser bien sûr avec toutes les préoccupations nécessaires qui relèvent de la méthodologie historique. L'histoire orale permet en effet souvent de retracer les itinéraires de résistants modestes qui n'ont pas toujours souhaité être reconnus comme tels, dont les archives conservent rarement les traces. L'histoire orale est également particulièrement féconde pour l'étude du quotidien, des gestes professionnels et bien sûr de la mémoire. Eh bien, merci pour cette intervention et j'invite tous ceux qui sont intéressés par ce sujet à se reporter aux livres et aux témoignages que tu as cités dans ta présentation. Merci. Merci.